Pour une nouvelle vidéo, c'est pour vous présenter une nouvelle boutique. Je les ai contactés pour voir s'il y avait moyen d'avoir un partenariat avec eux, donc ils m'ont répondu oui. Donc c'est le site Meet of Asia. Alors c'est une boutique qui est basée aux Pays-Bas. Mais seulement avant de me répondre si vous voulez bien faire le partenariat ou pas avec moi, ils m'ont dit que ils n'envoient que en Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, et je pense que c'est tout. Ils ont dit pas la France. Je leur ai dit je ne suis pas de France, je suis de Belgique, donc ils ont bien voulu. Donc maintenant je ne sais pas comment ça se passe pour les commandes. Est-ce que les Français peuvent commander ou pas? Je n'en sais rien. Surtout qu'il y a déjà quelques mois d'ici, j'avais vu une Française qui fait du DP. Je crois que c'est Kitty Kiratine, je crois. Elle avait eu un partenariat avec eux. Pourtant, il me semble qu'elle vient de France. Donc, voilà, je ne sais pas. Donc, ça a été envoyé comme ceci. Donc, c'est la première fois que j'ai un truc où c'est marqué fragile. Donc, ça a été envoyé par la société GLS. Dans leur site, ils disent que ça met à peu près plus ou moins 2 semaines. Et ici, moi, ça a mis une bonne semaine, quoi. Donc, on va ouvrir ça ensemble, en essayant de ne pas se couper. Ici, ils n'avaient pas dit de budget, rien du tout. Je leur ai montré un DP que j'aimais bien. Donc, je leur ai dit, vous envoyez la taille que vous voulez. Donc, la boîte n'est même pas abîmée. Bon, un petit peu ici, mais ça, c'est pas très grave. Donc, voici le site. Vous avez ici, donc, là, ça, c'est le nom. Vous avez le site. Vous avez leur Facebook. Vous avez Instagram. Et alors, il y a aussi, ils ont aussi un groupe de Diamond Painting. J'y suis rentrée dedans. Bon, il y a quelques personnes qui parlent français, mais c'est beaucoup allemand et néerlandais. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Ah ben c'est super parce que c'est en toile c'est une toile coulée, de la colle coulée quoi, vu que c'est transparent. Alors, je vais ouvrir ceci. Donc, vous avez la feuille de route. Alors, ce que je trouve bien avec eux, c'est qu'on sait bien que les Diamond Painting viennent de Chine. Mais eux, sur leur site, ils le disent. Quand vous allez dans... Parce que j'ai regardé. Hein. J'aime bien de savoir d'où ça vient pour expliquer aux gens. Quand vous allez dans livraison ou quelque chose ainsi, ils vous mettent que ça prend plus ou moins 2 semaines parce que ils se font livrer de la Chine, quoi. Donc ça, je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de partenariats qui ne disent pas que les diamants painting viennent d'Asie. Donc, vous avez la feuille de route, comme ceci.
Donc ici j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 couleurs. Donc vous voyez, j'espère que ça va faire focus. De toute façon, je vais vous remontrer. C'est un chat. Voilà, comme ceci. Alors, c'est une toile. Ils ont choisi de me l'envoyer en 40 sur 40. Alors, je vais prendre un truc de diamant, mais je vais pas tous les ouvrir, hein, parce que après, je vais avoir difficulté à les remettre. Donc, c'est tout en ribambelle. Voilà. Dans les tons mauves. Oh, excusez-moi. Mauve, rose, brun. C'est vraiment des belles couleurs. Ça, c'était pour les diamants. L'accepter. Alors, le toolkit de base, mais vous avez la coupelle, le pet colle, la pince et un stylet. Et vous avez un multiplaceur de 3. Voilà. Hop. Nous allons. Oh. Première fois que j'ai ça. C'est ça que j'ai dit. Oh, j'étais vraiment surprise. Ce sont des papiers qui servent à coller sur le diamond painting. Comme vous savez, les diamond painting avec le papier blanc et bleu, là, qui est souvent habituel, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Alors, ça, c'est des feuilles qui remplacent. C'est un peu, on dirait, comme du papier sulfurisé. Et aussi, il y a des gens qui ont des toiles en col coulé, comme ceci. Donc, c'est-à-dire des toiles transparentes. De toute façon, vous allez voir, en toile transparente, et il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout, qui n'aiment pas du tout, quoi. Attends, je vais abaisser un peu. Donc, vous voyez, c'est un film plastique. La colle colle super bien. Alors, ben, je pense que vous voyez quand même assez bien. Ici, vous avez la photo avec la légende. Vous avez au-dessus, attendez, hop, au-dessus ici, vous avez leur nom. Vous avez le numéro de la toile ainsi que la grandeur. Dans le fond, vous avez leur Facebook et leur site. Voilà. Et ici, il y avait un papier. Alors, je ne sais pas ce que ça dit, mais je vais traduire et je vais traduire et je vais. Je vous mettrai en barre d'infos si c'est un code promo ou quoi que ce soit, parce que on ne m'a rien dit, mais comme ici je vois des trucs avec des pourcents et tout ça, je vois un numéro de code, mais tout le truc. Donc, ça je vous dirai. Je vais essayer de traduire ça et je vous dirai dans la barre d'infos pour les intéressés. Donc, je vous remonte la toile. J'espère qu'on la voit bien. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Les symboles sont super bien. Donc, voilà. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et parce qu'on est lundi, une bonne semaine. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos de la semaine. J'attends encore un colis, on verra bien. Donc, passez une agréable journée.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.